Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle leçon de hongrois. On va commencer par le verbe dire, mond, donc mondani, mondani, mondani. Par exemple, il m'a dit que j'étais belle. Azt mondta, hogy szép vagyok. Azt mondta, hogy szép vagyok. En hongrois, on ne dit pas que j'étais belle, on dit que je suis belle. Donc, azt mondta, ça veut dire il m'a dit, hogy szép vagyok, que je suis belle. Szép, c'est belle. Vagyok, c'est je suis. Azt mondta, hogy szép vagyok. Ça veut dire quoi être belle? La traduction de ça veut dire quoi être belle? Vouloir dire en hongrois se dit jelenteni. 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 Donc ça veut dire quoi être belle? Mit jelent szép lenni. Mit jelent szép lenni. Ça veut dire quoi être belle? Mit jelent szép lenni. Et je vous donne un dernier petit exemple avec le verbe vouloir, parce que vouloir dire, ça... Il y a aussi le mot vouloir dedans, donc je l'inclus avec la leçon. Vouloir, c'est akarni, akarni, ou szeretni, mais szeretni, c'est plus gentil, c'est plus j'aimerais, c'est pas je veux, c'est j'aimerais. Donc szeretni, szeretni, comme je vous l'avais appris dans certaines leçons, c'est ça a à voir avec l'amour, je t'aime, c'est szeretlek. Donc, c'est « je t'aime », voilà, c'est le mot qui est un peu plus doux que « vouloir », voilà, on va dire ça comme ça. Donc, « akarom, hogy megmond, hogy mit jelent », ça veut dire « je veux que tu me dises ce que ça veut dire ».« Akarom », je veux, « akarom », »,« hogy », que, « megmond », que tu me dises, « megmond », »,« hogy », mit jelent, ce que ça veut dire. Akarom, hogy megmond, hogy mit jelent. Je veux que tu me dises ce que ça veut dire. J'espère que cette leçon vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle leçon de hongrois. Ciao, bye bye!